Là, j'ai encore un truc, je peux remplir. On va attendre les 30 secondes pour voir le prochain truc. Secondes. Ok, c'est quoi le nouveau? On peut le remplir tout de suite, 13 millions. Hop, c'est parti. Prochain dans 3 minutes. Alors, l'actuel Oslo, mais c'est quoi ça? La banque suisse et tout. Oh, d'accord, ok. Ah, c'est une... D'accord, c'est une... C'est une monnaie virtuelle. Enfin, c'est une monnaie supplémentaire, en fait. Ok, d'accord. Depuis le début. Ok. Je sais pas, je... Encaisser. Obtenir le montant de votre compte bancaire suisse. Ah oui, c'est vrai que j'avais... D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Oui, il faut que... Excusez-moi. Hop, il faut que... faut que je termine ça. D'accord, ok, oui, ok, d'accord. Il y a ça, et là, si je veux... Alors, bon, c'est pas forcément ouf, mais... Je peux changer de ville. Et donc, je peux recommencer. Si je veux, je peux recommencer le jeu. Et certainement avec donc des bonus supplémentaires. Et donc avec des bonus supplémentaires. D'accord, donc il y a cet aspect-là un petit peu relance de avec des améliorations avec donc max de constructeurs, déplacement plus rapide, temps de gain ordinaire. Ah purée, il y a du d'accord, il y a de l'idle. Le jeu peut continuer alors qu'on est déconnecté pendant 240 minutes. D'accord, ok. Un multiplicateur de production, d'accord, ok. La capacité de vente automatique, d'accord. Donc on a des bonus en plus quand on détruit tout qu'on recommence en fait. Quand on ça c'est un truc généralement dans les jeux idle game on appelle ça le prestige ou quelque chose dans le genre. Mais d'accord, ok, il y a ce système là. Bon, c'est bon à savoir. Bon, là ici c'est toujours dans 3 minutes. Banque centrale. Voilà. Toc toc. Ah, on a la scierie. Et on a l'usine de piles. Bah écoutez, la scierie, il faut quoi pour la scierie? À Syrie, il faut du fer, du charbon. Tu me diras, c'est logique. Donc l'idéal, ce serait de refaire une mine de fer ici. Et de faire la scierie ici. Donc on va faire ça. À Syrie ici. Mine de fer ici. Là, pour le moment, on va le désactiver, hein. C'est pas... Ce sera voilà, quand on aura la possibilité, le... Voilà. Allez, alors, hop. Donc, je dis, pour le moment, on va le désactiver.
Et ici, on va faire notre petite mine de fer. Voilà. Qu'on va tout de suite améliorer. Bon, bah, x5, hein. Allez, on va pas se faire chier. Et puis, voilà, on va. Hop. Ben, écoutez, si, on va l'activer. On va l'améliorer x5 aussi, parce que pourquoi pas, tant qu'on a du pognon. Voilà. On peut faire ça comme ça. Et puis là, on peut voir. Ouais, l'acier est mieux que le charbon déjà, c'est sûr. Et après, il y a les piles. Alors, pour les piles, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'usine de piles. Usine de piles, il faut de l'aluminium, du charbon et du fer. On peut en créer une ici. Donc pareil, charbon, fer, il manque juste de l'aluminium, j'ai ici. Pour le moment, on va la désactiver. Pour le moment. Le charbon, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Ok. Bon, il y a l'aluminium là, ici. Voilà, bon, ok. Papa, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il veut du propergol. Non, bah, passe. Ça sert à rien, je l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Et les chaussures, ça va. Enfin, je ne vends quasiment exclusivement. Je vends exclusivement d'ailleurs, pas quasiment. Que des produits de. Comment dire de pas des ressources brutes, quoi. Des produits transformés. Je ne vends exclusivement que des produits transformés. Donc c'est bien. C'est très bien. Bon. Ici, le fer, je vais le mettre encore un petit peu. Même si en vrai, résultat, ça sert à rien de l'avoir là. Parce que c'était utile pour l'export, mais maintenant que j'exporte plus, vaut mieux que ce soit proche là, quoi. Donc à la limite, j'ai envie de la supprimer. Parce qu'elle servira à rien. En fait, elle servira plus à rien ici. On peut vendre ce bâtiment pour 1,7 million. Hop. Pareil pour l'aluminium. On va plutôt développer l'aluminium ici. On va mettre en x5. Alors. Qu'est-ce qui me manque? Le fer, c'est pas assez. Je produis pas assez de fer. Mais je peux pas améliorer davantage. Donc de toute façon, voilà. Donc le fer, actuellement, j'en consomme trop. Je disais qu'il me manquait quoi pour les piles? Les piles, ça me consomme de l'aluminium, du charbon, du fer. Aluminium, charbon, fer. Bah j'ai tout en fait. J'ai tout en fait, je peux l'activer. Je peux l'activer et puis vendre. J'arrête les chaussures. Oh, bon allez, oui. On va économiser les chaussures pour le moment. Les chaussures, ça consomme du plastique. On s'en fout. On s'en fout.
Bon, j'ai de nouveau des soucis d'énergie. De nouveau des soucis d'énergie. J'ai pas envie de consommer du charbon là, j'ai besoin de charbon. Mais non, du propergol, j'en produis pas. Allez, vas-y. Va falloir encore que j'améliore ma production de charbon. Alors, la question maintenant est la suivante. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'améliore? Elle est fine. Ouais, batterie, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Je sais pourquoi faire. Déjà, les piles, j'en produis pas assez. La propergole, je l'exporte pas. Ah, mais c'est un enfer là. C'est bon, là je produis assez de piles. La question c'est, est-ce que... Donc je manquais de fer. Par contre, je manque de fer. Donc là, le fer. Quoi, l'améliorer encore. Après, je peux refaire ici du fer. Si je veux ici, je refais du fer. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est bon. Les piles, c'est bon. J'en produis assez. Plus que je n'en exporte. Donc ça, c'est bon. L'acier, j'en... C'est dans le rouge. Mais j'ai l'air quand même de me constituer un stock de temps en temps.
Donc j'ai envie de laisser comme ça. Pour l'acier et les piles, c'est bon. Là, j'ai un souci d'énergie. Là, j'ai clairement un souci d'énergie. Il va falloir que je... Alors, la question, c'est le gaz naturel. Le gaz naturel... Alors, j'ai du stock. J'ai du stock. Donc, bah, c'est bon. Je peux passer à niveau 10. Ce qui fait que j'ai un multiplicateur par 2. Ça résout mon problème. Ouh! La question, c'est est-ce que... mon gaz résultat après mon gaz eh ben il est plus bon et mon gaz est plus bon donc il faut que je continue à améliorer donc j'améliore mon gaz ça suit j'ai un nouvel arrivage et je suis plus 9 millions donc je peux améliorer mon gaz et là si je regarde. Alors, je suis beaucoup mieux. Je suis pas encore bien comme il faut, mais je suis beaucoup mieux. Il me manque juste un niveau. Ouais, bah voilà. Il me manque juste ici, ici. C'est réglé. Voilà. Et là, si je regarde mon gaz. Gaz naturel, ouais, bah, je suis à plus 20 par seconde. Bah, on fera avec. On fera avec. Voilà. Ensuite, le charbon. Je peux réouvrir une mine de charbon ici. C'est pas trop loin et ça peut faire l'affaire. Une minute 40 avant le prochain. Alors, est-ce qu'il y a des bâtiments que je peux débloquer? Visiblement non. Ah oui, et ce fer-là, je ne l'avais pas amélioré. Ça, c'est mon réseau électrique. Voilà quoi. Bon, ce que je vois, c'est surtout fer charbon en ressources primaires qui peine en fait. Donc bon, et ça encore c'est pas, je veux dire c'est pas vital, c'est pas vital. Oh purée, mon énergie, je suis nickel. Donc ça c'est bon. Hein. Ça l'énergie, je me fais plus de soucis pendant quelques temps. Mon fer me questionne. C'est le principal problème. Ok, je constate aussi que je peux encore améliorer du oil ici. Alors. Oui, plus 6 millions. Allez, hop. Justement, ça m'a aidé ici à améliorer mes réserves de oil. Ah, presque. Presque. Je me demande si ma deuxième raffinerie quand même. Hein. Bon là je consomme du oil mais au moins le pétrole je...
quoi-là, quoi. Alors, est-ce qu'on remettrait pas en place une stratégie comme j'ai fait ici? Alors, moi, je me pose quand même la question, c'est... Parce que ici, c'est marqué 5. Mais je peux rajouter d'autres routes, visiblement. Case sélectionnée est invalide. Donc, je peux encore... en soi, ici, si je veux faire deux autres puits, je peux. Et puis les relier avec le... Hop, non, c'est pas valide parce que c'est pas construit. Oui, donc je peux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc ok, donc c'est pas... En fait, c'est pas bloquant. En fait, il n'y a pas de limite de route en vrai. Voilà, hop. On va juste... Ok. Est-ce que j'ai 1 minute 40 avant le prochain? On va y arriver. On va y arriver. Prochaine commande dans 1 minute 30. J'ai saisi le concept. On va dire que j'ai saisi le concept. Les principales choses, quoi. Alors, on va rejeter un œil ici. Le propergol sera avantageux, mais... Après, en vrai, ce qu'il me faudrait, c'est une vente automatique de plus. Ah, ça a baissé! Le prix diminue. Est-ce que c'est avec l'avancée du jeu ou... Bref, voilà, y a ça, il y a le... Plus de ventes automatiques. Ça me permettrait de... En fait, ça me permettrait tout simplement de remettre les chaussures. C'est tout con, hein, mais ça me permettrait de... Parce que là, j'en produis pour rien, quoi. Je consomme du... Voilà, quoi. Je consomme du plastique pour rien. Ici, je galère sur quoi? Je galère toujours sur le fer ici. Ok, commande suivante. Oh, c'est bon, des chaussures et du charbon. Hop. Tiens, je me plaignais de créer des chaussures. Bah, mine de rien, bah non. Ça, c'est utile. Je suis toujours en manque de fer ici, hein. Toujours en manque de fer. C'est pas grave. Ici, j'avais. Tac, tac. Voilà. Ok. Quoi ça? Ah, c'est du gaz. Ok. Je crois que je vais devoir exploiter une mine de fer en plus. Parce que sinon... sinon, ça ira pas. Alors, la question, c'est le plus proche... Le plus proche, ça a l'air d'être plutôt celui-là. Hein. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va compter comme ça. 9, alors que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, là, donc c'est celui-là le plus proche. C'est clairement celui-là le plus proche. Allez, une mine de fer en plus.
Hop. Niveau 5 direct. Attendez, attendez, attendez. C'est pas rentable? Ça n'est, c'est pas rentable de le faire? Assis en sortie. Je vends pas l'acier assez cher. L'acier, il est pas assez cher pour être rentable. On va tester. Je suis à 50K si je le coupe. Hop, ici. Il me faut du propergol. Il me faut du propergol. Donc on va relancer la production. Et puis fuck it, quitte à relancer la production, autant qu'elle soit à fond de blinde. Ça, ok, maintenant. Donc là, je suis en train de jouer avec le feu, hein. Clairement. Bing, je coupe mes raffineries. J'ai coupé mon acier de toute façon. Donc là, mon pétrole brut, il est en train d'augmenter. Pour 9 millions, hein, tout ça. Donc là, ma réserve de fer, c'est bon. Et maintenant, il me reste plus que le pétrole brut à augmenter. J'ai 8 minutes pour ça. J'ai 8 minutes pour atteindre les 63K de pétrole brut. Et après, je relance mes raffineries. Ouh. Et ben. Si je le désactive, parce que sinon ça consomme un peu trop. Ok. Bon, on va relancer. On va relancer une raffinerie. On va relancer qu'une. Apparemment, ça me suffit. Et niveau. Je ne l'ai pas ici. Mais niveau pétrole brut, je suis à plus de 100. Je suis à plus de 100 aussi bien en pétrole raffiné qu'en pétrole brut. Donc en fait, avec une seule raffinerie niveau 10, pour le moment, je tiens. Ça. 40 secondes avant le prochain. Est-ce que j'ai des bâtiments qui sont prêts à être... Il me faudrait plus de bois.
Ah, si. Alors, j'ai l'usine de verre qui me demande du silicium et du charbon. Et des semi-conducteurs qui me demandent du silicium, du fer et du charbon. Et ça, à mon avis, ça doit être rentable, ça. Les semi-conducteurs. Ok. On a l'usine de jouets qui demande des piles et du plastique. Alors ça, c'est... Voilà. Toc, 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 toc. J'ai vu autre chose, mais ça a dû disparaître parce que j'ai consommé les ressources. Alors, ici, il me faut... Ah, bah non, je les ai pas encore fait. Bon, bah, ok. Donc, j'ai compris, c'est semi-conducteur là. Hop. Semi. Et semi-conducteur. Hop. C'est 1 million la construction quand même. Hein. C'est pas rien. Ça me demande du silicium. J'ai un truc là sur cette case là, je peux pas le faire là. Tant pis, je vais le faire là. Tant pis, je vais importer, hein, c'est pas grave. Je suis juste à côté du silicium. Ouais, le fer est loin quand même. Et j'ai besoin de fer. Donc ici. Et puis j'ai bien trouvé du silicium dans le coin. Je vais faire ça là. Silicium, fer, charbon. Hop. Est-ce que j'ai du silicium dans le coin? Oui, j'ai du silicium dans le coin. Hop, mine de silicium. Non, annule, annule. Oh. Annuler la construction. Tac, 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 j'ai du silicium là qui est plus proche. J'y vais à fond, moi. Voilà, hop. C'est bon. 12 millions. 12 millions et après j'ai les semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, je suis sûr. Eh ben non, c'est même pas la ressource la plus chère. Mais c'est une ressource avantageuse. Après, c'est les jouets. Les jouets seront la ressource la plus rentable. Donc, on va se baser là-dessus. Et après, on regardera au verre. Parce que le verre, ça n'a pas l'air très très compliqué à faire. C'est pas. Voilà. Bon. Hop. Encore amélioré d'un. Et on va regarder ça. On y est. Bing. Allez. Usine de jouets. Alors, l'usine de jouets. Il me faut des plastiques et des piles. Bah écoute frérot, on va la mettre là, hein. Juste à côté de la raffinerie. Ping. Merde, il y a du silicium là. Ah, bon, c'est pas grave. Alors, toc, toc, toc. Donc il nous faut le jouet, les piles, les semi-conducteurs. Hop, voilà. On va vendre ça. Les piles, résultat, j'en produis pas assez. Grave, on améliore un petit peu. Toujours pas assez, mais c'est pas grave. Il y a le verre, de toute façon, il y a le verre qui va remplacer. Bah non, qui va pas remplacer les piles, ce qui va remplacer les semi-conducteurs. Donc, usine de verre. Ah, attendez, j'ai une commande avant. Une commande à 4 millions que je peux remplir. Hop, c'est parti. Je disais donc. Du verre. Usine de verre, ça demande du silicium et du charbon.
Non, 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 je l'ai mise où? Je l'ai mise là. Eh merde. C'est pas là que je voulais le mettre. Je voulais juste voir où est-ce que c'était le plus rentable de le mettre. Bah, juste à côté là. Alors attendez. Il me faut du silicium et du charbon. Donc en vrai, il faudrait que, plutôt que ce soit dans cette zone-là. C'est quoi? C'est du gaz qui est là? À la place du gaz là? Allez, hop, on va faire ça comme ça. Hop, usine de verre, tant pis. C'est à la place d'un gisement de gaz. C'est pas grave. Et puis c'était là où je l'avais construit à la base en plus. Non, je l'ai construit à côté. Mais c'est pas grave. Hop, allez. Du verre, du verre, du verre. Et apparemment, je manque de silicium. C'est ça? Non, non, c'est bon. Mais à mon avis, silicium. Si je pouvais l'augmenter de deux niveaux, ça serait cool. Ok, donc là je crée du verre. Donc je peux. Je serais tenté de couper les piles. Mais non, on va couper les semi-conducteurs pour exporter le verre. Ah, c'est un petit peu rude, hein. Le silicium, je galère. Ce qui est logique, hein. J'ai qu'un seul gisement et puis voilà. Mais il faudrait que j'arrive à augmenter de deux niveaux. Il me faut 27 millions pour ça. Comme ça, je double. Non seulement j'améliore la production, mais en plus je la double. Faudrait que j'arrive à augmenter des mines niveau 10 en fait. Faudrait que maintenant que je construise plus une mine. Et vraiment que j'améliore tout niveau 10, quoi. Faudrait que ça se passe comme ça. Secondes avant la prochaine commande. Est-ce que je peux... Tout ça, il me faut des points de recherche. Alors, bon, c'est bon. 12 millions. 12 millions de plus. Je disais le silicium niveau 10. Bing. Est-ce que niveau silicium, je suis assez bon? Je suis visiblement à plus 20 par seconde. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, idéalement, le pire, c'est quoi? C'est le charbon. Le charbon, il faudrait que cette mine-là, je la monte niveau 10. Et pour cela, il me faut 39 millions. Un peu moins. Il va me falloir 34 millions. Alors pareil, je suis en train de me poser la question. Toc, toc, toc. Si je vais dans le marché, c'est où? Où est-ce que je peux vendre des trucs? Acheter et vendre. Là.
Oui, échanger des ressources avec les joueurs. Une ressource que j'ai abondamment. Quand je dis abondamment, c'est plus de 100K. Il y a les chaussures. Ouais, mais les chaussures, voilà. Je pourrais essayer de vendre du pétrole raffiné, hein, je suis sûr que ça part. Hein. Mais du plastique. Du plastique, j'en ai à plus savoir quoi en foutre. J'en ai 1 million. Hop. Vendre du plastique. Je veux vendre combien? 67K. Allez, hop. 67 000. Ah non. Le 6 c'est pas passé, excusez-moi. 67 000. Hop. Pour 6 millions. Allez, hop. Ajouter l'échange pour 6, 7 millions. On va attendre un petit peu. Donc ça, en tout cas, alors, là, ça c'est con parce que par contre, vous voyez, j'ai des offres en fait, si vous voulez, mais là par exemple, j'ai des chaussures. Ouais, mais voilà, ça me demande des billions et de ressources. Les joueurs, ils mettent des billions en des jouets, mais là, nouvelle commande. Peut être rempli pour 4 minutes. Hop. 31. Je disais le charbon ici. Il me manque un petit peu, mais hop, il va manquer juste 16 millions. Après, je devrais aussi focus le... Oh, il a... Alors, admettons celui-là. Peut-être pas celui-là, mais celui-là par exemple. Celui-là, il me faudrait 27 millions. Même pas. 27 millions, il me faudrait 16 millions aussi pour le monter niveau 10, ce gisement-là. Ah, cool. Hop. C'est plus. Pas loin, hein. Ah, c'est bon, j'y suis. Hop, voilà. Donc là, ce charbon-là, c'est bon. Je suis pas mal là. Prochain objectif, peut-être ce gisement de fer là. Il me faudrait 34 millions pour le monter niveau 10. On va partir sur ce principe-là. Ah, Polytechnique. Seulement des semi-conducteurs. Ça tombe bien, j'en exporte plus. Donc semi-conducteur, c'est là. Donc il faudrait que ce soit dans cette zone-là. Attends, je me mets ici. Polytechnique. Je peux me mettre là. Ou alors tant pis, 5% de moins et je peux me mettre juste à côté. Ça me fait économiser du carburant.
D'accord, ça me produit de la science, ce truc. C'est pas. Voilà quoi, ça s'exporte pas. Donc ça m'intéresse peu en fait. La science, ouais, c'est sympa, c'est pour les bâtiments, mais en soi, j'en. Voilà quoi, j'en produis quoi. C'est pas trop le problème, on va dire. C'est-à-dire que les points de recherche et les points de science, tout ça, ça augmente tout seul, quoi. Ah non, les points de science, ça augmente pas tout seul? J'étais à 100 secondes tout à l'heure, hein. Et j'ai pas l'air d'attraper plus, hein. Parce que là, je produis quoi? 12 par seconde, c'est ça? Écoutez, pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit utile. Donc, je l'ai construit, mais j'ai pas l'impression que ce soit utile. De millions, donc je disais le fer, je peux le. Non, il me faut 34 millions. Bah, je vais le faire. Je vais le. Non, c'est l'aluminium qui me faudrait. Faudrait combien pour l'alu? 42 millions. Ouais, bon, allez, on va faire le fer. Ok. Et là maintenant, c'est l'aluminium qui est mon seul défaut pour le moment. Et donc c'est ce gisement-là, et c'est parce que je n'ai pas d'autres gisements en même temps. Donc c'est quoi le plus proche? Ce serait celui-là, hein. C'est celui-là le plus proche, il me semble. Il me semble à peu près équidistant, mais hein, celui-là me semble plus proche quand même. Si je fais 3, 2. 5, ouais. Là je suis à 4 et 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, oui, celui-là est le plus proche. Ok. J'ai dit qu'il me manquait combien pour lui là? 16 millions seulement. Ça m'aiderait bien. Hein. Le oil. Ah, oh, quoi que ça m'aiderait bien. J'ai 200K de oil, c'est bon. J'ai du stock. J'ai du stock en oil. Donc j'ai pas vraiment de soucis à me faire en fait. Ça devrait le faire. Ça devrait carrément le faire. Après, on peut voir pour peut-être améliorer des ressources qu'on consomme peu, mais qu'on peut vendre à des joueurs. Par exemple, on pourrait très bien améliorer les chaussures et tout. Bon, pour le moment, je vais économiser parce que l'objectif c'est un peu d'économiser, mais je sais pas combien, hop, 40 secondes, enfin 50 secondes avant le prochain. Il y a de l'acier, hein. Enfin l'acier je pourrais encore l'améliorer, enfin je pourrais reproduire quoi. Mais je suis à 110K par seconde quand même, c'est pas dégueu. C'est pas dégueulasse.
Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais ça. Faut attendre les 15 secondes pour voir la prochaine commande. Truc, c'est qu'il faut pas me demander de proper gold, quoi. Ou alors moins de 4K, quoi. Tiens, bah. Je disais, c'est l'aluminium hein, qui me manque. Hein. Ouais, c'est ça. Le prochain truc vraiment qu'il faut que j'améliore, c'est l'aluminium. Donc, je suis à 26K là. On va améliorer au maximum. Il me faut 16K. Mais en soi, je crois que ça résout mon problème déjà là, non? Ouais, aluminium, c'est bon, je suis en positif. Voilà, il y a le bois augmenté. Parce que sinon. Voilà. Bon. Bon, en vrai, le truc, c'est qu'on se fout de l'écologie hein, dans ce jeu. Hein. C'est voilà, c'est centrale à charbon, centrale à gaz. Il n'y a que ça qui produit de l'énergie, quoi. Après, il y a la batterie depuis le début aussi que j'ai pas amélioré plus que ça, mais qui aide, enfin qui aide à stabiliser énormément les consommations d'énergie. La prod de jouet, elle est bonne. Ouais, plus 17 par seconde, c'est bon. C'est bon, je suis déjà à 16K. Bon, voilà. C'est bien. C'est bien. Ouais, je pourrais quand même augmenter de 1K par seconde en... Non, pas de 10K par seconde si je vendais des semi-conducteurs en plus. Donc il faudrait vraiment quand même que le... Là, le... La vente automatique en plus, je l'ai, quoi. Ah! J'ai de l'argent suisse. Donc ça, c'est si jamais je change de ville, j'aurai ce bonus-là que je peux dépenser, voilà, pour avoir un constructeur supplémentaire ou de la vitesse de, voilà, de la vitesse de construction en plus. Hein, voilà, ce genre de choses. Bon, pour le moment, on va rester là assez longtemps, hein, je pense. Hein. Donc voilà, on va vraiment développer ici le maximum qu'on peut. Pas de nouveaux bâtiments. Bon, ça, voilà. Trente secondes avant la prochaine commande. Je pourrais toujours monter sur le conducteur que ça, mais voilà quoi. L'aluminium. En vrai, l'aluminium, je pourrais lui faire passer son niveau 10 là avant d'avoir la commande. Quasiment en même temps. Voilà, bon. Hop, niveau 10. Alors. Bof. 44 millions pour du charbon, du bois, des piles, du Proper Gold, des jouets. Bah écoutez, lui je disais, hop, son niveau 10. Puis là ici on va, voilà, on va, ouais, bon, on va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bâtiment que j'ai pas construit encore?
Il y a des bâtiments que j'ai pas construits ou pas? Polytechnique, centrale électrique à pétrole. Donc ça, non, ça m'intéresse pas. La centrale à gaz, l'usine de traitement de gaz. Pour faire du plastique. C'est pas intéressant. Batterie, panneaux solaires, entrepôt, éolienne. Usine de chaussures, usine de propergol liquide. Centrale à charbon, scierie, aciérie, usine à piles, usine à verre, usine à semi-conducteurs, usine à jouets. La papeterie! La papeterie qu'on n'a pas fait. La papeterie, alors qu'un peu loin, alors. Plutôt la faire là, hein. Ici, là, c'est vraiment mon axe de. Les cases ici, c'est vraiment mon axe d'export. La violence, quoi. On va la faire là. La papeterie, on va. Hein? Le bâtiment n'est pas. Ah zut! Ah, je suis encore. D'accord. Ok, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je ne l'ai pas encore. Et ça fait partie des bâtiments verrouillés. Donc, dans les bâtiments déverrouillés, j'ai tout construit. J'ai tout construit sauf là. Sauf la centrale à pétrole parce que ça et l'usine de traitement de gaz parce que juste ça m'intéresse pas. Ok. Niveau. Oui, le propergol évidemment, j'en produis pas. Oh. Oh oui. Bing. C'est ça qu'on veut. Exporter du semi-conducteur. Et puis exporter plus. Voilà. K. 200 K seconde. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon. Bah c'est assez satisfaisant quand on y est pas. En sachant qu'il n'y a pas de niveau de difficulté réglable, hein. Il n'y a pas de mode facile, moyen, difficile. Il y a un seul mode de jeu pour tout le monde. Ah ouais, il y a le chat là. Tout le monde se discute. Ah! Oh, sympa, 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 sympa. Sympa, sympa. Ah, ça a pas changé mon pseudo par contre tout à l'heure. Entre 5 et. D'accord, ok. Succès, bla 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 bla. Sauvegarde automatique dans le Steam Cloud.